Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, le bon que tu récolteras demain. Pas besoin diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom. We salute you, Emmanuel. Poyambio, Emmanuel. Take place, Emmanuel. Fanda nesika oyo, Emmanuel. Emmanuel, begin to do your job. And Emmanuel, fanda banosa musala na yo. With that presence by the manifestation of your power. Tika ninge toza bo toyo kabozali samina yo ninge otali sangu ya kati na biso. We cannot see you with our eyes. Tokoki komona yo te na miso yo. But we will see you with what you will be doing here. Kasi tokomona yo na makambo sala katikati ya bato. May the sick be healed. Tika nzambaza la katikati. Tika eloko ba mona ka omona ngo. Those who are sick. Tika bato ba bel be healed. Maladi na yo ebika. May all the captive be set free. We need your power. Manifest. Proclaim your glory. And perform miracles among us. In your name I pray. Amen. Amen. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Madonna. Au nom de Jésus-Christ. Be welcome in the house of our Father. Toyambio boye bolamu na katikati ya ndako tata na biso. Na kanisa kitozo ya mbayote. You are not a stranger here. You are not a stranger. Ozamu payate na katikati na biso. You are in the house of your Father. Ozana nako tata na yo. So I would like you to feel quite at home. Na lingi o sane to be fait comme chez vous na français. Sala ne to zai pa na yo. This is the house of your Father. Ozana nako tata na yo. You are at home. Ozana nako. And expect on something good. Pe fana nenga ozo zelelo mo ba kitoko makasi. And I declare, ben a déclaré, before the end of this meeting, libosoto si samayanga ni alelo, God will visit you. Zamba visite yo. That is sure. When is that kondi misa mapenza? In the name of Jesus. Na kombo na Yesu Masia ni na logibo. Amen. Amen. So I would like we read three verses. Na lingito tanga ba verse all of them are in the New Testament. The first verse is in the book of Matthew. 22:14. Matthew 22:14. The second is in the book of Acts. Of apostles. Na yami baleza na misala ya bantoma. Chapter 9. Molongo ya libwa. From 15-16. Bana molongo ya zomi na mitano kino zomi na motoba. And the very last verse is in the book of John 15. Yasuka izali na sango malamu ya zomi Yohane mokapuna zomi na mitano. 16. Molongo ya zomi na motoba. Are you ready? Obongami pona kotanga. Are you on the page? Soki bobongami to koyiko memia litangi ya liloba na nzambe. Would you like to honor the word of God by standing? Totele mi poto memia to honore litangi ya liloba na nzambe. Please, church. Na bondeli bino eglise. This last time, Mikoloyo, I'm saying this. Nazolo bakaboye. Do your best to understand what they will be reading. Sala effort. Olanda oyo bakotangaka na ba lectrice na biso.
read, more you understand the message. Soki ososoli litangi malamu, okososola pe lite ya na pete. Please. La bonne lieu. Do your best to understand. Sala makasi olanda litangi. All the readings. Nyo so bakotanga. Yeah, my daughter. Go. Yango ne mwana nga mwasi tanga. Matthieu. Matthieu 22 14 à 16. Totangi Matthieu 22 14 à 16 na lingala. Car il y avait beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Alors le pharisien allait se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leur. Only one verse. Come again. Matthew 22, 14 only. Verset 14, Japan. Car il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. And now the second verse in the book of John 15. Acts. Misala ya bantomananu. Chapter 9. Molongo ya libwa. From 15 to 16. Molongo ya zomina mitano kino zomina motoba. Go. Acts 9, 15 à 16. Amen. Mais le Seigneur lui dit, va, kende. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour porter mon nom devant les nations. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. The next verse is John 15. Yasuka zaina sangbalamu ya Yohane. Mokapo ya zomina mitano. Verse 16. Jean 15, verset 16. Yeah. To tangi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas vous qui m'avez binote. Choisi. Mais moi je vous ai choisi. Kasi ngainde. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Pe na tibino. Afin que vous alliez. Yeah. Bobo kende. Yeah, yeah, yeah. Sukana. Sukana, sukana, sukana. Sit down. Tovani, tobeteli nkolo maboko. Tobeteli nkolo maboko. Aujourd'hui, je vais parler des appelés et des élus. Lelo na lingina te abino likolo ya ba bengami. Na ba ponami. Les appelés et les élus. Ba oyo ba bengama na ba oyo ba ponama. Vous savez le français est élastique. Oyebi okoko benda lokota ya français na molai. Si on peut pas dire élu, on peut aussi dire choisi. Soki ba koko ba élu ne ba lobi yango na français na ba koko ba ponami. Donc je vais parler des appelés et les élus ou les choisis. Parce que quelqu'un qu'on doit élire, c'est quelqu'un qu'on doit choisir. Et dans la Bible, vous verrez quelquefois on dit amen. Élu, quelque part on dit choisi. Ndena katikati ya Biblia kokanga na français balobi élu to lesika musu balobi choisi. Après avoir médité autour de tous ces versets, je comprends une chose. Simananga komaniola nzonga nzonga ya litangi nyoso ana na ekososo leloko moko. Je comprends que il y a deux groupes de gens parmi le saint, il y a deux groupes de gens. Na ekososo le te katikati na basanto ezaka na maboke mibale ya bato. Il y a deux groupes de gens. Ya masanga to maboke mibale. Certains sont des appelés et d'autres sont des élus. Ba mosusu bazalaka ba oyo ba bengama. Permettez-moi d'abord de parler du premier groupe, donc de parler des appelés. Nabana kolobelanano ba o babengama. Selon ma conception, selon
Ce que Dieu m'a dit de vous dire ce matin, les appelés sont des gens qui mènent une vie aisée. Baza bato yo babika ka bomo moko ya pepele. Et ce sont des gens qui sont normal ba béni, normal ma béni. Bayi bato yo na ninga bola mo boye na molongo ba pamama na bango. Ces gens-là vraiment dans leur vie ne connaissent pas beaucoup de difficultés. Bao ba mona ka pas penza te na bomo na bango. Vraiment ils ne rencontrent pas de problèmes majeurs. Bango ba kuta na penza penza na bangambo ya makasi te. Et voire même, ils ont eu la chance d'étudier dans de bonnes écoles, primaires, secondaires, universitaires. Et ils ont même terminé leurs études très tôt parce qu'ils ne rencontrent vraiment pas de difficulté. Et voire même, à 24 ans ou 25 ans, il est déjà marié. Au moins, à côté de Bamboula, tout le monde est marié, tout le monde est marié. Il travaille. Il a un véhicule. Il a même une parcelle. À 24 à 25 ans. Il manipule l'argent même. C'est là que moi, ce matin, j'appelle des appelés. Mais à côté d'eux, il y a un autre groupe qu'on appelle des élus ou bien des choisis. Kati, mais na bango pe zana libo ke bato nga na benga bango ba ponama. Les élus ou bien les choisis. Ponama penza. Ces gens-là, bien-aimés, sont ceux-là qui rencontrent beaucoup de difficultés dans la vie. Ezali libo ke bato ba kutana na ba mikakata no ebele. La vie ne leur donne pas la tâche facile. Bomoi esunga bangote. De temps en temps, ils ont des problèmes pour les études, pour étudier, c'est tout un problème. Pour se marier, c'est tout un problème. Bla 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 bla. Ngalanyoso bakuta na kaka na ba pro na makambu. Ezala po asili sabite lo pasi. Abala na pasi. Aza musana na pasi. Afane pai, alonge pai. Makamu kiliki ekola na pe bango. Je parle des élus de Dieu. Awa ezane li solo ya ba otoba. Je parle de ceux-là que Dieu a choisis. Voilà pourquoi dans Acte 9, verset 15 et 16, quand Dieu a rencontré Saoul qui est devenu Paul, écoutez ce qu'il a dit de Paul, Paul que Dieu a choisi. Mais yo, écoutez ce que Dieu a dit. Yo ka siko eloko nzamba lobina Paul mutu yimo nzamba pona. Il est un instrument que j'ai choisi. Alobina batu, alobite botika yazali esalelo onga na pona. Pour porter mon nom devant les païens, devant les étrangers. Na pona ye boye amema kombo na nga epai ya ba pagan ba païens. Devant les rois, devant les Israélites. Mais au verset 16, Dieu dit, il doit savoir tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quelqu'un que Dieu a choisi. Et Dieu dit, je dois nous faire savoir qu'il va souffrir. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes. Les justes sont ceux-là que Dieu a choisis. Sont ceux-là que Dieu a élus. Les malheurs leur arrivent souvent. Pourquoi? Pourquoi? On doit se poser cette question. C'est tout simplement parce qu'ils sont victimes de leur propre prophétie.
po bango bazali ko kwela nde lisakoli na bango moko. C'est leur prophétie qui leur cause des problèmes. Ils allaient makambalo bali ko na bango yone memeli bango bangambo. Voilà pourquoi je vous dis toujours. Ti na ko lobaka mingi quand on vous donne une prophétie. Ce qui va pécher les sacolés. Ne croise pas le bras pour dire que ah, ça suffit. Quand on a maman côté que le bâti a né par le bien d'un peu ici. Non. Té. Quand on te donne une prophétie. Ce qui va pécher les sacolés. Reconnais que le diable est informé. Il sait maintenant ce qui va arriver dans ta vie. Alors, il ne te donnera pas la tâche facile. Il fera tout à ce que cette prophétie-là ne s'accomplisse pas. Voilà pourquoi j'ai dit que les élus sont ceux-là qui rencontrent beaucoup de difficultés dans leur vie. Tellement qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés dans leur vie, ils sont même tentés de se poser des questions genre qu'est-ce que j'ai pas fait que ceux-là ont fait pour que je puisse vivre. Le collègue a son coup na bangambo et belé na bomo inaïe. On a vendu encore mitou na la pena na penzo na salani no baninga ba salaté. Et ils pensent que cette difficulté là c'est à cause de leur péché. Hier, quand ils étaient pas sur ton monyoko, ils allaient coller ma soumounaï. Non, c'est pas à cause de tes péchés, mais à cause de ta prophétie. Tiens, ils allaient coller ma soumouté, car ces allaient coller ma loba, les colonnes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la prophétie, a dit que il entrera à Jérusalem sur une ânesse. La prophétie a dit que Jésus-Christ va entrer à Jérusalem sur une ânesse. Amen. Le moment est arrivé pour entrer à Jérusalem. L'ânesse n'était pas là. Punda zate. Ah. Fongola général, fongola place wana. Alléluia. Il y avait des ânesses. Mais l'ânesse qui devait porter Jésus n'était pas là. Le diable s'est opposé à la prophétie de Jésus qui ne va pas, oui, entrer à Jérusalem, oui, mais pas sur une ânesse. C'est ton cas. Depuis que Dieu a prophétisé sur toi en disant que au début de l'année 2022, au mois de janvier, Dieu va te bénir avec un véhicule. Jusqu'à présent, cette prophétie ne s'accomplit toujours pas. C'est la même chose avec la prophétie de Jésus qui devait entrer à Jérusalem. Sur une ânesse. Mais avant d'entrer, l'ânesse n'était pas là. Le diable a déplacé cette ânesse. Non seulement qu'il l'a déplacée. Alors, moi, il y a place en haut. Mais il a caché. Non seulement qu'il a caché. Mais il a attaché. Non seulement qu'il a attaché. Deux personnes surveillaient cette année. Oh God. Amen. Il y a des choses. Mais le diable les a cachées quelque part. Quand le diable a botté la quelque bombe en haut. Comme tu es là toi. Alléluia. Ne dis pas que Dieu est un menteur ou ce prophète. Dieu a déjà disposé sa bénédiction. Mais le diable s'oppose. Dieu a déjà dit que cette année, au premier moitié de l'année, tu vas concevoir. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore conçu. Dieu t'a dit au début de l'année 2022, tu dois voyager pour l'Europe. Mais jusqu'à présent, tu ne voyages pas. Tu
passeport est le diable a caché ton visage. Le diable a visa aussi. Et quand Jésus-Christ est arrivé, soyez, il n'a pas vu la naisse. A mon oh God. Alléluia. Oh God. Il a dit à ses disciples, allez dans ce village. Vous trouverez une ânesse. S'ils vous disent quelque chose, dites-leur que le maître en a besoin. Hey, il les a envoyés sans mandat d'arrêt. C'est avec une simple parole. Pas de preuve. La parole tout simplement. Je vais te dire une chose. C'est lui qui a le pouvoir peut diriger. Mais c'est lui qui a la puissance peut influencer. Oh God. Qui a le pouvoir et la puissance. Nambuya. Vous recevrez une puissance. Le Dieu nous a équipés. À partir de là, nous pouvons influencer les ennemis. Nous pouvons donner des ordres. Délibérer ce qu'il a attaché. Libérer ce qu'il a caché. Rien que par une simple parole. Pourquoi? Parce que tu as la puissance. Ces gens-là ne se sont pas permis de poser la question. Où est la preuve? Où est la preuve? Christ a dit, yes, lobby. Comme mon père m'a envoyé, le moi aussi je vous envoie. Oh. Il ne nous a pas donné seulement le pouvoir, mais la puissance. L'Esprit de Dieu est sur nous. La vie là que tu as, ce n'est pas ta vie. Tes bénédictions sont cachées quelque part. Tes bénédictions sont cachées quelque part. Voilà pourquoi, bien aimé, ne lâchons pas prise. Ne lâchons pas prise. Continuons à nous battre. Le mardi qui va suivre, bien aimé, ça sera mardi et toko. Oui. Nous devons réclamer toutes ces choses. Et nous avons le pouvoir de le faire. Avant de venir dans la chambre, quand on s'habillait, nous avons aussi une télévision dans notre chambre. Regardez les chaînes de Bandal. Il sera témoigné. On disait que dans notre famille, nous sommes de belles filles, mais nous ne nous marions pas. Et regarde aujourd'hui, moi je me suis marié. Et ma soeur qui prie ailleurs aussi, mes trois soeurs se sont mariées. Et j'ai aussi une de ma soeur qui prie. À Mimosa qui s'est mariée. Et on a montré la photo. Moi, elle, son mari et mon épouse, maman Iguette. Moi, je disais, aujourd'hui encore, j'ai ce genre de travail. Pour détacher cela qu'on a attaché quelque part. Il va te détacher du célibat. Oui, Dieu m'a mandaté. Je suis la bouche autorisée. Mon toi aussi, toi. Tu as ce pouvoir de réclamer tes bénédictions. De réclamer tes bénédictions. Ce mardi, bien-aimé. Ah, mardi et toko. Non. Si cette formule ne réussit pas, ce qui est moi, maïe le songo le simbite, soit maïe le moussous. Le diable ne voulait pas que Jésus-Christ entre à Jérusalem sur une année. À cette époque-là, la naisse représentait un véhicule.
À cette époque, la NES représentait un véhicule. C'est-à-dire, le diable ne voulait pas que Jésus-Christ soit véhiculé. Or, sa véhicule était déjà là. Dieu souhaitait que toi tu te maries cette année. Mais l'homme de ta vie est attaché. Selon le plan de Dieu, tu devais déjà concevoir cette année. Mais le diable a attaché ta maternité, tes enfants quelque part. Bien aimé, ne baissons pas les bras. Ce ne sont pas tes péchés. Yes. C'est pas à cause des péchés. C'est parce que tu as la prophétie. Et le diable a appris ça. Voilà pourquoi il ne veut pas te laisser la tâche facile. Mais écoute la parole que je te donne. On te fera la guerre. Mais on te vaincra pas. On te vaincra pas. Oh, on te vaincra pas. Oui. La Bible dit c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Bien aimés, soyons déterminés. Et quand Jésus voulait monter, il a demandé aux disciples d'aller prendre l'anneau qui devait les porter. Et pourquoi la NES était cachée, attachée et surveillée? C'est parce que Jésus-Christ était choisi de Dieu ou un élu. Voilà pourquoi je disais les élus ou les choisis de l'Éternel sont souvent combattus à cause de leur prophétie. Tu as des choses qui t'appartiennent, bien-aimé. Mais elles sont liées quelque part. Elles sont cachées quelque part. Que Dieu libère partout où elles se trouvent. Partout où on les a cachées. Que Dieu libère ces choses. La Bible déclare. Ainsi par l'Éternel à son oint. Il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées, pour lui donner des trésors cachés et des richesses enfouies, pour lui donner des enfants cachés, les voyages cachés, le mariage caché, la guérison cachée, tu les retrouveras cette semaine, suivez-moi bien. Jean 15, nous l'avons lu. Toi qui souffres, retiens que ce n'est pas par hasard. Tu souffres parce que tu as des prophéties. Ne crois pas que tu es maudit. Loin de là. Ces souffrances que tu es en train d'endurer, c'est parce que tu as une prophétie. Voilà pourquoi Christ nous a fortifié dans Jean 15, 16. En nous disant ceci,
n'est pas vous qui m'avez choisi. Tel que toi tu es là. Retiens-le. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Même si on t'a prêché dans la rue. Même si tu es venu de toi-même. Rien ne se fait au hasard. Dans la liste de Dieu depuis l'éternité. Ton nom s'est figuré parmi les membres de Mimosa. Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi il dit. C'est pas toi qui as choisi Jésus. Mais c'est Jésus qui t'a choisi. Amen. Et même si tu souffres, retiens que c'est Dieu qui t'a choisi. Il y a quelque chose que tout champion a ressenti quand il combattait. Quelqu'un qui est champion, va lui poser la question. Qu'est-ce que tu ressentais pendant que tu te battais? La réponse qu'il va te donner. J'avais envie d'abandonner. Mais tu es un champion bien-aimé. Pas. Vas-y. Vas-y. Tu arriveras. Tu arriveras. Il y a quelque chose que chaque président a ressenti avant d'être élu. Chaque personne qui a gagné quelque chose. Quelque chose que chaque leader a ressenti. La chose en question. Tout cela que Dieu a choisi les sent aussi. Et le quoi mutunyo son zamba pona ye ayoka kangope. L'envie d'abandonner. Posa yakotika. Et comme il passe na tika na okokangote. La peur de l'échec. Cela m'est arrivé. Et comme il a ngapé. Il y avait des moments où j'avais tendance d'aller voir Walesa. Et comme il a un le mot, il y a un et pas Walesa. Je trouve qu'ici, on dirait qu'il n'y a pas de Ngouya. Il y a un awa et puis la mingite. Où je rentre dans l'ancienne vie que j'avais là. To natika la ngana songa nengi na zalaka. Mais ce que j'ai aimé parce que j'étais affermi. Mais là, on a séparé, on est d'abord Bakoubi Sakanga. Ah, c'est ça qui m'a aidé, l'affermissement. Et là, on est souvent les années à Kuba. Bien aimé, suivez les affermissements. Balina Mibino, on a l'affermissement. Il y avait des paroles qui revenaient toujours. Dieu me parlait toujours à travers des versets bibliques. Il me disait toujours. Même si la nuit est longue, le soleil finit toujours. Après, je me ressaisis. Mais je pars encore à l'église. Je dis à un champion qui est ici. Ne lâche pas prise. La Bible dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort, c'est pas la mort. C'est pas la stérilité. C'est l'ombre. C'est pas la pauvreté. C'est pas la mort. Amen. C'est pas le célibat. C'est l'ombre du célibat. Ne lâche pas prise. J'étais avec un ami. Il m'a approché.
Il m'a vu avec une tenille. Il me regarde de bas en haut. Il m'a dit que je suis un peu plus de temps. Il y a un plan. Que ça ne soit pas ton cas, bien-aimé. Écoute, Anna Yote. Vas-y. Il y a certains parmi nous ici. Ils sont seulement à un pas de sa délivrance. Et dit qu'il y a parmi vous ici. Et là, un mois c'est trop, il va entrer dans sa délivrance. Sans arrêt, n'abandonne pas. Je sais. L'envie d'abandonner est là. Mais tiens bon. J'allais abandonner. Je pensais que être païen c'est mieux que être chrétien. J'enviais la vie des païens. Mais aujourd'hui, les païens m'envient. Amen. Soit il y a un désert, soit il y a pratiquer ma précipité. Dieu n'échoue pas, c'est nous qui échouons. Nzambe azaka stagiaire te biso nde mututu tokoyaka na banzela. Jean 15:16. Yohane mokapoya zomi na mita molongo zomi na mambe. People say lengi. Amen. C'est moi qui vous ai choisi, ça c'est Yesu nde mutu apona yo. Eza pasteur te, eza ngaite. Eza Yesu. Combien sont dans la rue qui ne prient pas? Boni bazana balabala basambela kati. Juste à côté ici, il y a des païens. Kaka zinga zinga biso ba païens. Mais ils ne viennent pas à l'église. Ba yaka église te. Oh, à l'église. Sur une église, le droit d'entrée est gratuit. Kokota basekela ngo li futi te. Mais il ne vient pas. Kati ba yaka te. Parce qu'il n'est pas appelé. Boye a ponama te. C'est toi qui es. Yo oponama. Tu veux peut-être abandonner pour quelque chose. Oh, je viens dire à quelqu'un qui passe des moments noirs, qui veut abandonner, n'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, j'ai déjà rêvé ça quelques années en arrière. Que j'étais devant les gens en train de pêcher. C'est ce que je fais maintenant. Moi je pensais que c'était des rêves. Or, c'était vraiment des réalités. Maintenant, je vis ça. Avant que je puisse l'épouser, j'ai déjà rêvé. On a fait une photo avec elle. Elle a porté un bagne au dos ici. Mais moi j'avais un cinglé et une culotte. Nous sommes assis sur un lit. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas, bien-aimé. Quelle que soit les souffrances,
Je m'en fous, même si tu n'as pas d'argent, moi je dis n'abandonne pas. Même si tu n'as pas d'aide, même si tu ne vois personne pour t'aider, n'abandonne pas. Ta douleur a un but. Il y a quelque chose que j'ai compris dans la Bible, bien-aimé. Amen. Dans la Bible, j'ai compris quelque chose. La Bible, la concernant la parabole du vrai et du blé. En tout cas, toi qui aimes prêcher. Je te conseille de beaucoup parler en langue. Dieu va t'aider à avoir des révélations quand tu lis la Bible. Dans la parabole du vrai et du blé, j'ai découvert que dans la vie, que l'ivraie et le blé, comment dirais-je, apparaissent souvent au même moment. C'est-à-dire, amen. J'ai compris que de bonnes semences et de mauvaises semences croissent au même moment. Au même rythme et à la même apparence. Même rythme et même apparence. Semence yamabe, na semence yamalam. Et botaka na ngonga moko pe ekolaka ezokokana ezobika ba mipepe nenge moko. J'ai découvert dans la vie que personne n'est exempté aux douleurs, personne n'a le laisser passer de la souffrance, personne. Et te na katikata pomo ya bato ezala mtu moko te awebso nga mona pasite azate. À tout moment, tout le monde fait face à livrer, ezala kaka na ngonga moko face au blé. Souvenez-vous de cette parabole que les serviteurs ont dit à Jésus. C'est là où j'ai compris. Allons à lever livré. Mais le maître a répondu. Laissez-les grandir ensemble. Amen. Laissez-les la joie. Tika bango et la souffrance. Na pasi mamona grandir ensemble. Tika pasi nesengo ekole longo. Tika bango bakole longo. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Que Dieu vous prépare à quelque chose de grand et de plus fort que toi-même. Il faudrait beaucoup d'années pour comprendre pourquoi Dieu t'a fait passer par là. Et que Seigneur ayo bamvula ebele. Dieu n'est pas idiot. Il n'a pas voulu qu'on puisse lever livrer. Il laisse livrer quoi grandir ensemble avec le blé. Dieu n'a pas voulu que les sorciers qui te combattent meurent. Dieu dit laisse les sorciers vivre. Yoka, Zamba lobi tika bandoki bazala wana. Alléluia. Joseph a dit à ses frères. Oh bien, Joseph a ébissi bandegoné mi ban. Vous avez projeté de me faire du mal. Bino, c'est pour kana ki bosala nga mabe. Dieu l'a changé en bien. Zambe a bongoli ma ses frères étaient à côté de lui comme des ivrés. Dieu les a laissés tous grandir. Alléluia.
Alléluia. Change ta prière. Yes. Change ta prière. Luka losambo. Ne tue pas tes ennemis. Koboma bangona na yote. Laisse-les vivre pour voir ta gloire. Tika bango bazala wa. Boba mona nkembo nini za mabo. Laisse-les vivre. Tika bango na bomoi. Allez. Dieu sait que livré n'a aucun pouvoir de tuer le blé. Nzamba yebike matiti azamba za nguya ko bebi sa masabute. Sait que tes ennemis n'ont aucun pouvoir de te tuer. Nzamba yebike ba muna bazala ba kokia ko bomote. Voilà pourquoi il dit laisse-les vivre. Tala tira mona tika bango pembeni na. Oh, il faut voir ta gloire. Ils verront ta gloire. Oh. Hey. Aujourd'hui, je suis venu prêcher seulement les choisis ou bien les élus. Naïl est là. Les côtés à Kabato, nous avons Pona. Les frères de Joseph étaient comme des ivrés. Voilà pourquoi tu vois des ennemis. Ne crains rien. Dieu sait pourquoi il les garde en vie. D'abord, il ne faut pas te tuer. Oui. Seul. Ne crains pas parce que cette maladie persiste. Dieu lui-même sait. Que cette maladie là ne va pas te tuer. Que malade wana et au bomote. Parce qu'il a une prophétie sur toi. Il a une prophétie sur toi. Yo ozana ozana maloba ya masakoli na toi. La Bible dit c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Bon, Bible le Bible est toi apesa la ka aza sem. Dieu tient à sa fidélité. Jamais à sainte la kalikola possible. La maladie là ne tuera pas. Malade wana au bomote. Mais c'est toi qui vas tuer cette maladie. Yo ne muto ko boma maladie wana. Tu ne mourras pas avec cette stérilité. On va confondre qui est combattu. Mais c'est toi qui vas tuer cette stérilité. Yo muto ko sili sali sola qui est combattu. Nenga nini ba koyeba kenza. La gloire de la guérison est supérieure à la gloire de la résurrection. Maman Eva là. Batangataye awa. Assemblée, nzambe, union libre, nzamba tikaye. Batikaye zana. Tika union libre kola na yo na liba. E kola non na kati. Mais na hotel chaque il y a un temps pour tout. Yes. À 50 ans mobali pouf. Mobala sutuki. Alobi il faut na bala yo. Eh, to fanda ka to bala kati. Au moment où bazako lo ba loi ya ni bala les 500 francs. $500. Bah, on proposait na parlement. Mobaliena. 1500. Ah. Bah, balé le roi Massimo Seka, jeune fille. Tika likambwa na eko sambwa. Eh. Tika ivre eko lanza ma ko sambwa za ivre. Amen. Est-ce que kaka na libala te bandeko? Bah, maman, na yo ki ayo témoigner sur ta chaîne ba maman. Aina témoignage monsieur. Est-ce que maman Eva Laza? Maman Eva Laza. Qui ma prière? Maman Eva Laza. Wapi? Eh. Dalama khambo. Tamusu ake kinga kati te papa. Abali sikate papa. Ake ne kosala tati ruye. Na 65 ayo kate le nga kwa jeune. Tamusu si. Mama ba sekene. Tamusu. A cet âge, na âge na ye, pas même un mois. Ata sans amour le quitter. Mama e fala la ta ba chi pa mi kousa de. Ah. Maman est pas là, na taille mannequin. Eh. Assez à bota, moi je n'ai pas 60 ans. Moi, maman est pas là. Je suis là. Na moto. Eva la samwisi kota mula na makolo.
La prophétie disait que avant Eva là a conquis à 50 ans, a conquis à 55 ans na Anes. Eva là comme il y a prière na Mutuka. Dika ivre ekola. Dika ya mama. Nzambe ko sambwa sa ivre. Eko sambwa. Eko boma yote. Amen. Oh. Amen. Yes. Un mari qui reconnaît le Dieu que sa femme prie. Mobali wazoni melanzambe oyo mo mwasi na sambela. Et il a pensé à sa femme en disant, akanisi mwasi na ekoloba. Alors je t'achète un véhicule pour aller en prière. Bon, le kolo ki na église na sombelo mutu ko ki na langue. Dala muta sa ko reconnaître nzambe na biso. Yes. Tika mobali no chaka tembe. Eh. Achaka tembe tika. Yem ta bana kombo la église oyo. Eh. Avant de sala, avant de combo, avant comme un nettoyeur. Ils aiment la marque de Zambé au sala. Eh, y a quoi na mardi oyo? Ah naï. Dala, na bimisa sagesse mo. Bimisa maire papa. Bonjour monsieur, attends ton prier na maman Getty a qui roule la langue la na quoi na naï. Pour la prière, je vais vous dire que vous avez une révélation. Je vais vous prier en langue, papa, et vous avez une révélation. Mais vous avez une révélation. C'est cette sagesse-là que je vais vous donner. La prophétie disait que le Messie naîtra d'une fille vierge. De Masia akobota mananzela mwasimo sekangondo. Et à cette époque, Nelekoana, toutes les filles d'Israël étaient au courant. Basinyo sa Israël ba yebaki lisakoliwana. Personne ne sait si c'est moi ou bien c'est elle. Mutumokote avanda oyebezanga to o alors. Toutes ces filles là se sont protégées. Elles ont protégé leur virginité. Il sera peut-être c'est moi. Le choix de Dieu était Marie. Et moi aussi je te dis, garde-toi pur. Et si tu sais que c'est toi le choix de Dieu, le mardi tu dois être là. Ou alors tu ne sais pas toi. Celui qui sait que c'est lui le choix, il va se préparer en fonction de ça. Comme les filles israélites qui étaient toutes vierges parce qu'elles avaient écouté une prophétie qui dit que le Messie naîtra d'une vierge. Alors toutes ces filles étaient vierges, ils attendaient la prophétie. Et celui qui attend sa prophétie doit être là le mardi. Parce qu'il est un choix de Dieu. Voilà mon nom. Batosaka, pas à la vierge, n'a bien. Pas à la vierge pour Baba Narachibaou. Baba Narachibaou. Chibaou. Chibaou. Yangwana Bazo Banga. Pour ce qui est Chibaouté. Kaka. Et bon, qui ça, Baba a suivi. Je ne sais pas si tu es un peu plus. Mais à mon nez, on a dit ça. Et pas une bonne bête ou à ma casse. Eh. Y'a moi la bobanga, n'est ma cam. Ah, banga. Sokite. C'est ça le cas des filles en Israël. Wana, ils ont ce qu'on dit comme Italie, basse, Israël.
Elles se sont maintenues, elles ont protégé leur virginité parce que. Baba Teli, bosse qui bosse à la banque pour caca. Mais je dis que toi, tu as une prophétie. Si tu crois que tu es le choix de Dieu, comme Marie qui s'est protégée, et Dieu l'a visité, tu seras visité ce mardi. Tu seras visité ce mardi. Je suis le prophète de Dieu. Dieu va te choisir ce mardi. Dieu va confirmer sa prophétie ce mardi. Si c'est toi, tu peux dire amen à haute voix. Amen. Ta douleur a un but. Ta douleur a un but. Je vois quelqu'un qui est dans le noir et blanc. C'est normal, tout n'est pas être, tout ne peut pas être tout blanc. Il y a toujours des noirs. Je vais dire à cette personne que les mauvaises œuvres ont autant de raisons d'être que de bonnes œuvres. Laissez-les les ivrer et les blés grandir ensemble. Ces mauvaises œuvres oh, oh my God, autant de raisons d'être que les mauvaises. Dieu lui sait pourquoi, il sait pourquoi il te fait passer par là. Mais si les mauvaises œuvres sont menaçantes, sont écrasantes, elles ne te tueront pas. Toi, tu es un blé. L'ivraie ne peut pas tuer un blé. Même si cette maladie est menaçante, tu ne mourras pas, tu as une prophétie. La maladie est comme un ivre. Et ta vie est un blé. Le moment viendra. On va déraciner l'ivre. Et le blé va rester. Le moment viendra. On va arracher ce célibat. Et le mariage prendra place. Et ce jour-là, c'est ce mari qui vient. Bien-aimé, la joie et la souffrance cohabitent. Et d'ailleurs, c'est de cela que l'onction a été faite. Les choses avec lesquelles on fabrique l'onction des plantes. Il y a certaines plantes qui sont amères. Et il y en a d'autres qui sont douces. Alors quand on les mélange, ça donne l'onction. Ça produit l'huile. L'onction. Des difficultés là que tu es en train de connaître, c'est pour te former. Nous parlons de beignets. Les beignets goûtent, hein? Le beignet est délicieux. Mais si on regarde les aliments avec lesquels on prépare le beignet, on demande de le consommer singulièrement. On te donne la farine. Mange. C'est pas délicieux. On te donne l'huile. Bois ça. Mais là, c'est pas délicieux. Levure ne goûte pas. Mais quand on va mélanger avec, Ça donne le levier. Cette conjugaison de difficultés va faire de toi un homme tout fait. Et comme il s'est dit, il va
douleur a un but. Pas signaux sur la ramoto et la natine en amour. Quand ils sont là, souffrent à la vite. N'a pas été à son pas si vous souffrez à quel âge ce que je prêche. On a noté, c'est l'école de ma vie. Et d'aller que était le bon moyen en et c'est comme ça que Dieu m'a orienté. N'est-ce pas là où on a mal qui s'en a mout n'a moutou à zana dans genre évangile. Mon évangile, c'est toujours dans la vie pratique. Parce que je suis passé par là et je suis bien placé pour vous parler de ça. La joie et la souffrance cohabitent. Et c'est de là qu'est faite l'onction. Joseph était un choix de Dieu. Joseph Azaki Motozama Pona. Tout dans sa vie montrait qu'il était un choix de Dieu. Mais Dieu l'a appris beaucoup de choses. Haï par ses frères. Il pouvait dire qu'il a la malédiction. Vendu comme un esclave. Il pouvait dire que est-ce que je suis maudit ou pas. Et il a trouvé un peu mieux caché Potiphar. Il faisait bien son travail. Voici à Potiphar et au lieu de Zamba a justifié à 15 jours prison. Et Joseph a sauté le lobby. Ah, oh, ça a malédiction. Oh, non, 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 non. Et là, la Kelimabé, tiens, c'est là. Et pas quoi, et Bimaganabanzela, pourquoi? Alléluia. Dieu est en train de te former, bien-aimé. C'est Amazon là qui sont Manzela, Bolina. Écoute ce que je vais te dire. Il y a trois ou quatre choses. Et bien remis ça tout au milieu. Quatre leçons que j'ai tirées. Na maïele okana soa. À partir de l'histoire de Joseph. Bana l'histoire de Joseph. La première leçon. Maïele na soa liboso. C'est ce que nous devons connaître. Yamane to segeli koyeba. C'est une erreur. Ezali mbeba to mabe. De penser que beaucoup de gens vont t'aimer. Yako kanisa kende ngoza na bato ebele ba olinga. Amen. C'est une erreur. Tala, et Ali Bakou. Si tu crois que dans la vie beaucoup de gens vont t'aimer, tu te trompes. So kanisi makamoyo sala kwana batunyo so abetolo maboko omikosi. Alors quand quelqu'un ne t'aime pas, trouve ça normal. O moni so kosa makambo, ba mosu so abetolo maboko mosu alingi yote. Mona ko malamu. Il est là comme un ivré. D'ailleurs, il ne sera pas capable d'arrêter ta destinée. Amen. 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 Yes. Arrête de prier pour que les gens t'aiment. Tala, intercesseur, tika ko sambela po batu nyoso balinga yo. Tika. Nzambe sima motema na bango. Batu nyoso basepela nanga. Wana nzambe ko telemela yo. Même yemo ko nzambe kutu ba yinaki ye. Et ça, par exemple, nous avons la sacango sans suite. À recevoir, mais à classer sans suite. Il y a moins de salaire, on a eu salaire, on a le lendemain. Qu'occupez ma montée. Yes. Sans qu'il y ait ça, l'ingénieur. Yo, qu'est-ce que nous avons? Si Dieu est pour moi, qui es-tu? Yamoni Yonani Kutu. Yonani. Toi montagne. Hein? Yon Goma Mounene Yonani. Ne pense pas que beaucoup de gens vont t'aimer. Parce que il y a des prophéties. Dieu a prophétisé. Mais ça suscite une jalousie là. Yes. Yo le coup la basse ma sacole la yo yé bango et go bota pena bazou anaba bitouma. Moi je dis toujours à mon épouse. Nana ebi sa mimi moi c'est comme la ba église. Nana yé. Toke to mona ba humeur.
Et tu sais que c'est une église. Yes. Alors avec cette expérience, tu regardes Rabo et sans que tout ça, prophète, tu regardes où est l'ingango, l'ingangoté. Parce que Dieu nous a passé par là. Tu les gardes là. Et nous avons appris des choses. N'est aux hommes aïeul. N'est rien à vous mal. N'est aux aucun de vous. N'attendons pas monioté. Y est pas que Oma mutumusu sa yiniyo atikala ko monote ka kombo no kaka se pe noti. Yamana ko blague na vite ya. Surtout ko échouerte, surtout. Boso ko échouer ko mona ndenga ba o se pe. Ba to wana bazo yinayo, suka suka. Bah, vous allez obligé. Bah, fou comme un bosso na yu. Hola, 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 hola. Tika ya salon na kola ifre ya salon le côté. Yes. A au moment de nzambe tiki ya pepe na yu po ya mona. Ke ya za nzambe. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 28. Na baloma moka po ya mwambe molonga tout manyama. Toute chose concourt au bien. Makamunyo soye la ramutu. Et bunda rapona bola munae. Ezala ya miambola mute ya mabepe nyoso wana. Na ya mabe nyoso ezala kata. Ezali pona bola munae. Nyoso ezo sunga ka pona ko sala bola munae. Yes. La deuxième chose. Yami balé. Dieu voulait enseigner et il a appris que la vraie gloire qu'il attend n'était pas dans son manteau. Zambé alinga kola kisa. Multiples couleurs. Zambé alinga kola kisa. Joseph, mais Joseph aye koye kola. Ete nke bonne a solo ezaki na kati na lamba ya balange belé o tata na ya sali la ete. Voilà pourquoi les gens avaient été jaloux, ses frères étaient jaloux de lui parce que lui il avait un manteau particulier de multicolore et bah, ils enviaient ça et il était jaloux de ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens sont jaloux de ta prophétie. Bato bande konaye bakomai koyokele zuwa po bamoni na kata na kuyeka kande atala bilameta ya balanke bele bakomai koyokele mazuwa bakanda ler nyoso tikana ebisa bato bayoka ka zuwa likola lisakolina yo. Et ils ont cru que quand ils vont déchirer ces manteaux ça sera fini. Bango bakanisa kike to botole kasi manteau wana to pasolango to mwana ya kosila. Bango bazo kanzake to mwana bakangi kobota na yo eh c'est fini, c'est fini. Bazo mwana ta koyaka ka yaka kaka. Papa soli manto bakanzi soire sili lokuta. La gloire n'est pas dans le manteau. Or que fille yezaki na manteau te yezaki na kati. C'est que Dieu a mis en toi. Personne n'est capable de détruire ce. Et loko nzamba tchakati na yo mutu moko te koko bebi sango te. J'encadre une sœur. Na kambaka ndeko moko ya mwasi qui ne prie pas ici. Sambe la kate. Mais Dieu l'a béni. Béni alors béni. Et hier elle m'a appelé. Lobby a benginga. En pleurant. Azolé. Pasteur. Oh mon bateli. Baibinga babijou na manyosu. Adam mon côté tikali alubi pasteur. Tous ces bijoux là baibinga. Ceux qui n'ont sali total pas moins de 60 000 dollars. Nga alubi baiba. Babuki manga na nzete na yo me babuki nzete. Nzete tikali na misisa. Manga robima lisusu. Manga mususu robima. Amen. Ni pamboleza o ezakati no eza wanate. Troisième leçon. Maela misad. Dieu voulait apprendre que qu'il achève toujours toute chose qu'il commence. Zambé alinga kotali sete asili saka eloko nyoso yemoka bandi. Amen. Quand il y a la prophétie là. Omoni ndenge nzamba si alobeli yo. Dieu tiendra à ce que cette prophétie s'accomplisse. Zamba kosala nyoso po maloba na iko kisama. Amen. Je vais chuter en disant ceci. Na si sa ngolo baboy. Ezala ba misusu wa papa. Ba kokoma à destination. Bato eza mubimba nakata bato ti ba komiti na libongo ba siemi me eza na ba misusu bato yo panzana na mai bato yo panzana akoma kana nage me akufate bato kane panzana libaya wana ti atana ko nage na ko koma kaka
Atala libaya okoma. Atala likola libaya na okoma. Atala panze nyoso. Menga lobina yo. Nazana masakoli. Atala kana mwani baya. Wala wa Paul. Okoma. Bato panze. Si nazo beka lisola Paul. Bato emeli mabaya. Oba yebi Bible. Oona. Bazo komprane deja. Okoma. Na. Atala likola libaya. Bakoma na babato ya biso pandani na katikati ya bale kasi toko kufa na kati ya bale te ata likola mabaya toko koma deya bango bakoma ka bana ba député bana ba pasteur na bango bana ba ndeko na bango bana ba généraux ya biso to ane le côté mais likola Yesu lokwa libaya toko nana na ye kaka boye biso likola Yesu lokwa libaya toko kende toko dinga te toko kufa te okoma Yes. Maman, vous avez dit qu'on rêvait dans la ta Weston. Weston ou à Londres. Où il y a qu'à 4 fois par jour. Dans la moussoune. Mais les lois n'ont pas été gâtées. Il y a un mauvais joya. Si vous avez un mauvais joya, vous avez un mauvais joya. Ah! Attends, vous avez un Weston. Vous avez un mauvais joya. Vous avez un cousin. Ça ne va pas être un mauvais joya. Biloko na manao luka ngo soki soki. Mitu ke luka yo, ba voyage ko luka yo. Yes. Yes. Ngo ki papa kaza. Ngana benga ko jeune homme. Ozaka lo la jeune. Ame mama suwa. Mais aibo na jete. Mais Mokumi Masua expérimenté. A comment il a village Moko, Mbongé Mokoye, Tomboli Masua, Longwe Namasua, Azumona Gazana Mai. Aébina agité. Et pour le Bessica, on a son commis Moutabikarate. Mais Aébite l'Oroni le Bimissi et Tina Libon. Biso na Yesu kaka boye. Eh na Yesu kaka boye. Biso na Yesu kaka boye. Oh, okokufa, okokufa. Biso na Yesu. Ata sida, ata nini, ata famille wana eza nina na bandoki. Na lobi kana yo eza particulier. Oko bima, oko bonga, prophecy ekoko kisama. Loba amen mbala misato. Amen, amen, amen. Sona Yesu la kaboye. Hey! Baba mena baba baza sono maye. Ya bisona Yesu la kaerdo go te kasaro. Yo mena zamba kubemo. Yo mena zamba kubemo. Esi ko vandi baba baba no bondela. Yo mena zamba oyo o lobela ye. Yo mena zamba. Yo mena pe satana. Asa muto lokuta. Akolonga yo te. Hallelujah. Meta ka.
Jésus. Yes, Seigneur.